Bonsoir les potes, c'est Galoupa, j'espère que vous allez bien les potes. Écoute, la vidéo des potes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de conseil mode de... Vous avez vu le titre, hein, voilà, ma copine qui se trouve ici présente. Me vole. Mais vas-y. Hein, hein. Du coup voilà, vous avez vu le titre, en gros elle m'a piqué des vêtements et surtout une vidéo en fait de conseil mode. C'est-à-dire qu'il y a des tendances qui se font de plus en plus qui consistent en fait à ce que les filles prennent des vêtements soit trop larges, un peu loose, des vêtements de leurs copains pour pouvoir ajouter ça à leur tenue, à leur style en fait. Ça fait de plus en plus et du coup aujourd'hui on a pris des petites pièces qu'on va vous présenter après pour vous montrer que votre copine, une amie, même votre sœur peut vous piquer des pièces à vous qui êtes comme moi, pauvres démunis que nous sommes nous, les garçons, parce que on se fait dévaliser par nos copines, nos sœurs, nos proches. Donc voilà. Je précise, c'est pas notre faute. D'abord, ça sent bon et en plus, c'est hyper confortable. Donc, là, je me défends, non? On s'en bat les couilles. Du coup, les potes, avant que la vidéo commence, tu peux déjà t'abonner, mon petit pote. Comme ça, tu rejoins l'équipe. Et ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Si la vidéo à la fin t'as plu, tu peux laisser ton meilleur pouce bleu en l'air, vraiment. Surtout une récompense pour le travail que je fournis sur ma chaîne YouTube. Donc, juste ça m'aide en fait à avoir une reconnaissance. Donc voilà, donc du coup, pour la vidéo, c'est parti. On y va. Petit disclaimer. Évidemment, les lumières rouges et bleues vont pas nous aider beaucoup, enfin vous aider beaucoup en tout cas, à avoir les vraies couleurs des vêtements. Pour les close-up, les try-on, on aura au préalable fait des plans sans lumière et que des lumières blanches pour que vous ayez vraiment les vraies couleurs des vêtements. Fin du petit disclaimer. Du coup, on commence avec la première pièce qui se trouve ici, cette petite veste de costume. En fait, c'est une veste, un ensemble, il y a aussi le bas, pareil, qui était à mon père. J'ai piqué, en fait, c'était avec ça qui s'est marié. Je lui piquais parce que c'est trop petit pour lui après. Donc du coup j'ai fait, ah bah tiens, c'est un ensemble plutôt pas mal. J'ai commencé à avoir mon style à moi. Du coup je suis vas-y, bah, je vais la prendre et je vais la mettre à ma sauce en fait. Et du coup c'est une veste maintenant, un ensemble donc, que j'ai depuis quelques années maintenant. Je me suis dit que ça pouvait être une pièce que votre copine, votre soeur ou une proche peut vous piquer. Donc du coup tu as enfilé ça et on montre aux petits abonnés comment ça rend. Et du coup voilà les potes, voilà comment ça rend. Donc forcément, vu que c'est une pièce qui est taillée pour les hommes, donc bah là il y a beaucoup de mou, hein. C'est de la partie de la veste quand elle ne remplit pas avec ses épaules, parce que je suis quand même bien carré des épaules, et elle moins, évidemment, bah c'est normal, mais ça fait des épaulettes, et ça se vend maintenant dans le commerce des vestes un peu grandes, avec des épaulettes comme ça, avec du rembourrage, de plus en plus à la mode, et en fait c'est pas une faute de goût, c'est pas une faute de style, ça se fait, et c'est pas une erreur, donc voilà. Au niveau des manches, évidemment c'est beaucoup trop long, du coup ce qu'on vient faire ici les potes pour gagner un peu plus en esthétique féminin, on va revenir au niveau de la main et là on va faire un seul pli. Et ce qu'on voit beaucoup, ce qui fait beaucoup maintenant, c'est le style un peu nonchalant, on va dire ça comme ça. Vous les filles, vous allez mettre un peu plus de mou au niveau des manches, c'est un peu working girl et en même temps un peu stylé avec le pull qui dépasse au niveau de la manche, donc c'est pas mal du tout. Les potes, voilà, vous avez vu, ça fait un style un peu décontracté. En faisant ça à la manche, on voit le petit C de champion, pas mal du tout. Un petit rappel un peu de la marque, ça fait un peu classique chic, un peu street chic, enfin, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment pas mal, je trouve, comme idée. Ouais, donc, ouais, t'aimes bien. Ouais. Voilà. Et le côté, ça te gêne pas du tout d'avoir le côté un peu grosse épaule, alors qu'en fait, non. Non. Moi, je trouve ça assez cool aussi. Donc voilà, première tenue, on valide pas mal. Voilà. Du coup les potes, voilà, deuxième look de cette vidéo. Donc en fait c'est une pièce que j'ai chopée chez Episode. Donc c'est une veste Burberry que j'ai chopée chez Episode au modeste prix de 25€. Voilà, c'est super. Voilà, voilà. Non mais, trop bien. Non mais, elle est verte un peu, vert. Enfin, ça fait penser un peu à tout ce qui est Angleterre, un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est une veste que j'ai beaucoup kiffé avec des belles poches. Là ici, hein, on va enfiler ça et puis, hein. Et voilà les potes, vous avez vu maintenant, donc... On part sur la petite veste que je viens de vous montrer. Pareil que la veste précédente, on a toujours le côté trop large, un peu trop large, un peu trop une taille au-dessus. En fait, c'est ça qui donne le charme, le style du truc. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Hein, j'oblige pas les gens à aimer ce concept-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Elle aussi. Donc, nous, on valide. Après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas adopter le style. Voilà, c'est tout. Vous verrez mieux après, mais j'ai multi-ceinture au niveau de la taille. Pourquoi? Bah,
pour habiller simplement, parce que sinon ça fait vraiment, si on laisse la veste ouverte, ça fait vraiment walking girl. Le côté vraiment street, là pour le coup c'est pas une ceinture avec une boucle, c'est une ceinture... Comme les cartables d'école quand on était. Exactement, voilà. Après on peut faire un peu ressortir, comme si c'était, un t-shirt dans un pantalon. Donc on peut faire ressortir un peu le haut, pour faire un petit côté un peu plus military, tu vois, un peu plus militaire, un peu plus affirmé. Vous avez vu les rushs, les potes. Donc voilà, comme je vous disais à l'instant, on aime beaucoup le concept. Hein, c'est... Après, comme je vous disais aussi, on n'aime pas. Je n'oblige pas les gens à aimer. Donc, pas mal pour ce deuxième look. Hein. On continue les potes avec une petite pièce que j'ai chopée chez Killy Watch il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un jersey un peu baseball. Je sais pas comment expliquer. Sacrée belle veste d'ailleurs. J'aime beaucoup. Donc, sur le devant, il y a l'écusson champion. En bas, il y a l'étiquette champion. Sur les bandes. Sur le côté et tout, au niveau du cou, voilà, de la nuque, il y a des champions aussi, donc c'est vraiment une belle pièce. C'est une pièce un peu plus street, et c'est une pièce qu'une fille peut très bien accorder à sa garde-robe, ou même à son style du jour. Un t-shirt simple, comme là actuellement. Donc voilà, vous avez vu, c'est simple. Alors on la laisse ouverte, pas besoin de la fermer, on n'est pas non plus en hiver. Donc ça n'a pas de manche. Donc en fait c'est genre un truc que tu mets en été ou un peu au printemps. Automne il fait vachement froid pour l'automne, donc il pleut, ou alors il fait moche, ou il fait du vent, donc voilà. En tout cas c'est une pièce que tu peux mettre pour le printemps et ouais, c'est pas mal. On continue les potes maintenant, on passe à un basique d'une garde-robe. La veste en jean, et en fait c'était chez Zara. Cette veste là valait 50€ et était payée 14€. Voilà, donc je pose ça là et c'est comme ça. Et voilà. C'est une taille XL, du coup ça m'arrive un peu en dessous de la ceinture, mais pour elle ça va vraiment lui faire un truc super large. Donc au niveau des manches, pour habiller les manches, vous verrez encore une fois après, mais pareil, là c'est boutonné donc c'est très bien. Ce qu'on va faire, quand c'est boutonné en haut, t'arrives là, tu fais un ourlet comme ça. Donc du coup on voit la différence, en mettant les potes, conseil vraiment, si vous voulez faire un ourlet serré qui dégage un peu le poignet, laissez le bouton au niveau de la manche, vous faites deux ourlets par dessus et après c'est bon. Alors vous tirez un peu sur la manche s'il faut. Normalement c'est serré, assez serré, et du coup ça restera en place. Je mettais jamais le bouton genre parce que ça c'était trop serré. Mais vu que c'est une base vachement plus large, ça tient du coup. Ça tient, et en plus on garde quand même le côté au niveau des manches, le côté un peu loose en fait de la chose, c'est-à-dire que c'est quand même une veste de mec à la base. Donc on garde le côté loose, mais on a quand même du coup la manche resserrée, retroussée, donc c'est plutôt pas mal. Bientôt fini les potes, parce que maintenant on passe au quatrième article de la vidéo. Et donc il s'agit d'une veste, simplement d'une veste que j'ai eu chez Killy Watch également. Chez des copains, Killy Watch. Hein. C'est une veste Reebok. Pardon les amis, je voulais juste dire Reebok et pas Reebok. Hein. Excusez-moi, je voulais pas. Ne me tuez pas, voilà, abonne-toi. Donc vraiment old school, mais elle est tellement belle. Et l'état est impeccable, vraiment. Vraiment au niveau du col c'est un peu genre coton et tout, enfin elle tient hyper chaud par contre. Ouais. C'est hyper chaud genre en hiver, tu peux la mettre tranquille, que du coup c'est une belle pièce. Et oui, parce que les filles peuvent aussi mettre ce genre de choses. C'est pas le côté quartier, le côté checks, tu vois, le côté. Et donc du coup oui, les filles peuvent largement mettre ce genre de pièces. C'est pareil avec qu'aux garçons, on est avec à l'image du mec de quartier, du mec de check en bas des tours. Ouais gros, ouais gros. De plus en plus de filles qui mettent des vêtements, des vestes comme ça, vintage, des Adidas vintage, des Nike vintage, ça pourrait largement aller à une fille. La preuve en est que tu vas enfiler et on va leur montrer comment ça rend. Voilà les potes, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment de ce truc un peu spécial. Moi j'aime beaucoup et ça fait de plus en plus sur des marques de créateurs, des marques qui se lancent, des marques un peu streetwear mais qui se lancent, leur propre marque, qui font des shootings avec des filles en leur foutant des hoodies ou des vestes comme ça, qui font grave garçon, grave hooligan, fan de football, tu vois vraiment. Et ça marche à mort en fait, c'est de plus en plus stylé et vraiment ça a beaucoup de cachet je trouve. Après on aime ou on aime pas, comme d'habitude, comme tous les vêtements de la vidéo, on aime ou on aime pas, c'est votre choix. Vous allez voir, c'est vraiment, il y a du caractère, c'est stylé je trouve. Et c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien aussi. C'est confort quoi, moi c'est confort, ça me saoule d'avoir des trucs serrés. C'est vrai que souvent, ouais, trucs serrés tout le temps, c'est pas forcément super agréable et on est tranquille dedans, on est bien, ouais. Voilà.
Et du coup, les potes, avant-dernier avis de la vidéo, donc du coup, on passe à un bombers. Donc, pour moi, c'est aussi un basique d'une garde-robe, un bombers. Qu'importe la couleur, qu'importe la forme, un bombers, ça doit être un basique, normalement. Oui. Voilà. Donc là, on a affaire à un petit basique en satin que j'ai chopé chez Épisode, mais il y a tellement longtemps, ça fait un bail. Vous allez voir là devant, c'est marqué Onyx, et dans le dos, pareil, pas du tout un flocage de merde, voilà. Donc franchement, elle est très très lourde, et pareil, ça c'est pas une nouvelle, les filles en mettent déjà depuis très longtemps, mais c'est un bombers de mec, donc du coup, on va quand même essayer, mais vous savez déjà le rendu que ça va donner, ça va être super, voilà. Donc voilà les potes, moi je trouve ça plutôt pas mal. Après, comme je disais à l'instant, c'est connu, les filles aussi mettent des bombers depuis la nuit des temps, ça fait un bail vraiment. Je pense avec un petit pantalon taille haute, avec une bonne ceinture et un petit top en dessous, un petit top très simple ou un petit pull ou un truc assez fin. Je trouve ça assez cool, en plus du blanc, pour le coup ça change des pièces un peu, des bombers en tout cas orange ou noir, c'est pas mal. Du coup si vous aimez aussi, dites-moi en commentaire et voilà. Et dernière pièce de la vidéo les potes, après on passe aux accessoires, mais ça va être très rapide. Dernière pièce, c'est donc évidemment la chemise, assez large d'ailleurs. Pareil, ça se fait de plus en plus pour les filles, et volontairement de plus en plus aussi. Dans les boutiques Stradivarius, Pimki, Promode, Topshop, vous allez trouver des chemises comme ça. Pas forcément Ralph Lauren, mais en tout cas assez voilà, loose, très loose, ou même des fois... très 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 loose. Ça fait un peu penser au style de filles qui font de la peinture. Donc du coup voilà, t'essayes ? Oui. Donc du coup voilà, vous voyez maintenant les potes et notamment au try-on que vous verrez après. C'est une chemise pardon qui est assez loose et assez ample. Moi un truc que j'aime bien c'est la mettre vraiment dans le pantalon et la faire bien ressortir genre... Ouais genre Bob le bricoleur quoi. Ouais. Donc du coup c'est vraiment un bon plan je trouve. En plus on s'habille pas cher. Bah oui, en fripe, donc parce que cette chemise là va coûter 14€. Et pour c'est une Ralph Lauren, une vraie Ralph Lauren avec l'ancien logo. Donc les vrais savent vraiment. Du coup les potes on a fini pour tout ce qui est vêtements. Maintenant on passe rapidement aux accessoires. Il y a deux accessoires dans la vidéo. Donc la montre, donc voilà, parce qu'il y a des montres de femmes, des montres de mecs, et des femmes qui mettent des montres de mecs, voilà. Parce que c'est comme ça, et parce que elles ont pas leur montre, et leur mec il a trois montres, bah du coup hop, on part au boulot, on met la montre de son mec, et voilà, basta, ça reste là. Mais c'est au-delà de juste mettre une montre pour dépanner parce que t'as pas ta montre, c'est aussi juste un phénomène de style, c'est aussi une tendance, c'est une mode, et c'est, je trouve ça vraiment très très cool aussi de s'approprier les vêtements qui sont pas à nous, pour faire une tenue, pour combler la tenue, pour la faire vraiment au maximum. Enfin, c'est super cool. Elle a pas de montre du tout. J'ai pas de montre en fait. Voilà. Donc du coup, elle m'a montré, je vais prêter pour la vidéo. Et en fait, elle y va super bien. Donc voilà. Bon, après, t'as un petit poignet, donc c'est super bien, ça passe bien. Et vraiment. J'ai un petit poignet, mais pour une fille, j'ai un gros poignet. Du coup, les montres de femmes en fait sont trop petites et ça fait tout serré et c'est trop moche en fait. C'est pour ça que j'ai pas de montre en fait. Ouais. Et ça fait genre. Voilà, ça fait. Voilà, boudiner quoi, c'est. Et les potes, vraiment le dernier article maintenant de la vidéo entière. Il s'agit d'un petit, mon petit béret que j'ai chopé aussi chez Épisode au prix de 8€ il y a longtemps également. Et ça fait son style, ça a son charme. Je pense que vous avez vu dans la vidéo du tatouage. Mais oui, si vous n'avez pas vu la vidéo, on s'est fait tatouer. Et moi, la vidéo est en barre d'infos sur le petit i qui se trouve juste ici. Effectivement, le béret, c'est une pièce qui est tout à fait mixte. Pareil avec vos mecs ni aux filles, c'est vraiment mixte. Et c'est vraiment une très bonne chose, je pense. Ça change du bonnet, ça change la casquette, du chapeau. Voilà. Moi, j'en mets pas, honnêtement. Ouais. Et, parce que je trouve que j'ai pas une tête forcément qui va avec. Mais là, ça me plaît bien. Ouais. Je trouve que c'est sympa. Ouais, elle me l'a beaucoup piqué ces derniers temps quand on était ensemble, ce béret qui est à moi d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça a son charme. Hein, voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est rétro, très rétro. Années 80, années ce que vous voulez. Qu'importe l'année, on va pas chipoter sur l'année, mais on s'en bat les couilles. Mais du coup, voilà, le béret, ça fait très parisien. Non, c'est vraiment une pièce qui change. C'est pas ce qu'on voit tout le temps sur les gens. Et c'est vraiment un truc que je kiffe de plus en plus.
Donc je valide à mort le béret. Après faut demander conseil, hein. J'ai pas demandé conseil chez un chapelier avant, mais allez voir un chapelier juste pour avoir des conseils, pour savoir quelle forme mettre à votre tête, parce que c'est aussi un conseil qu'il faut avoir. On n'a pas tous des têtes à chapeau et des têtes à casquette, donc du coup ni à béret, ni à bonnet, donc vraiment demandez conseil avant, c'est gratuit, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je pense que sur une fille qui a des cheveux très courts aussi, ça va être très beau. Oui, genre un petit carré, genre ouais. Tout vraiment. En même temps, comme ça, c'est pas mal. Mais encore plus court, ça peut le faire totalement. Ouais. Et ouais. Franchement, même les cheveux rasés, hein, ça peut vraiment être. Vraiment un flow. Un truc tellement lourd en fait. Et voilà. Je vais me raser les cheveux. Non, tu restes comme ça, merci. Donc du coup voilà les potes, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu la vidéo, bah, laissez un maximum de pouces bleus. Ça m'encourage, ça nous encourage et ça m'aide beaucoup pour le travail que je fournis sur ma chaîne YouTube. Voilà, thumbs up. Et surtout, bah, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Ou juste en bas, juste là. Notre vidéo tatouage est sur la chaîne également, donc en barre d'infos. Ou sur le petit i, ou juste à la fin de la vidéo également. Sur ce les potes, fais pas de bisous, portez-vous bien les potes. L'amour en balle. Comme d'habitude, c'est important, évidemment. Mmh. Et à vendredi pour une prochaine vidéo, les potes. Ciao.